On a testé 6 appareils à fondu pendant plusieurs jours et dans cette vidéo, on va vous présenter ce qu'on pense avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et si certains modèles vous intéressent, sachez qu'on a mis leur lien en bas de cette vidéo. Top 3, Severin FO2470. Durant nos tests, cet appareil s'est montré particulièrement efficace. Notre fondue bourguignonne a été prête en seulement 9 minutes. En mettant le thermostat au maximum, l'appareil a chauffé et nous avons mesuré une température maximale de 176 degrés Celsius. Par contre, nous trouvons dommage que le couvercle qui pare les projections d'huile ne soit pas plus lourd. Il a eu tendance à bouger quand nous mettions ou enlevions nos pics. La fondue savoyarde a elle aussi été prête rapidement, en seulement 5 minutes 30 pour 300 g de fromage. Pour ce type de fondue, nous vous conseillons de ne pas dépasser la moitié du thermostat car le fromage est déjà à 70 degrés de cette façon. L'appareil est fourni avec 8 pics dont le bout est légèrement plié contrairement à ce qu'on trouve habituellement. Petit regret, nous avons trouvé que le cordon de 1m41 est un peu court pour être vraiment pratique. Enfin, le caclon, son couvercle et les pics peuvent aller au lave-vaisselle. Cependant, nous vous conseillons de nettoyer immédiatement la cuve à la main après une fondue au fromage car elle n'est pas sortie de la machine parfaitement lavée lors de nos tests. Top 2, Russell Hobbs Fiesta. Destiné à maximum 6 personnes, cet appareil à fondue de 1200 watts a un caclon en inox de 1,2 litres. Il peut être mis au lave-vaisselle, mais durant nos tests, les restes de fondue de fromage n'ont pas été totalement nettoyés via cette méthode. Au départ, nous n'étions pas certains que ce modèle était sécurisé car sa base est un peu plus large que le diamètre du caclon. De plus, le couvercle par éclaboussure nous a semblé petit, mais à l'utilisation, aucun de ces éléments n'a posé de problème. Cependant, son cordon d'alimentation trop court lui fait perdre un point au niveau de la praticité. Mesurant seulement 82 cm, il faut prévoir une rallonge. En réalisant une fondue bourguignonne, l'huile a été prête pour accueillir de la viande après 20 minutes. L'appareil a continué de chauffer correctement et uniformément tout au long du repas sans éclaboussure. Après la fondue savoyarde, nous avons noté qu'il valait mieux mettre le thermostat à mi-puissance pour éviter de faire bouillir le fromage. Ce type de fondue a été prêt en 8 minutes pour une tablée de 3 personnes. Bien sûr, le temps de chauffe dépend de la quantité que vous préparez. Concrètement, ce n'est pas l'appareil à fondue le plus performant ni le plus rapide du marché, mais il fonctionne très bien. Il est aussi de bonne qualité et son prix est très compétitif. Top 1, Princess Pure. Bien que cet appareil de 1,5 litre soit incompatible avec le lave-vaisselle, nous avons jugé qu'il était le plus pratique de tous ceux que nous avons testés. En effet, il possède un revêtement anti-adhésif qui facilite son entretien et un long cordon de 2 mètres. De plus, son thermostat est divisé en plusieurs quartiers, symbolisant la température idéale pour chaque type de fondu, de celle au chocolat à celle à l'huile pour cuire de la viande. Ainsi, il n'est pas nécessaire de chercher la température optimale à atteindre. Pendant nos tests, le couvercle s'est bien positionné et à empêcher les éclaboussures d'huile d'être projetées hors du caclon. Le design original de l'appareil nous a aussi beaucoup plu. En plus, nous avons trouvé que ce modèle était très simple à utiliser et qu'il possède une bonne qualité matérielle. Par contre, sachez que les 8 pics à 3 pointes rayent facilement le revêtement du caclon, il faut donc les utiliser avec précaution. La fondue savoyarde a été prête en seulement 6 minutes. Nous avons aussi noté que le fromage restant coulait longtemps car le thermostat relançait automatiquement la chauffe lorsque la température diminuait. Pour ce qui est de la fondue bourguignonne, nous avons mesuré une température maximale de 195 degrés après 13 minutes. Il nous a déjà été possible de commencer à cuire de la viande après seulement 9 minutes, ce qui est une belle performance. En conclusion, avec son thermostat découpé en quartiers pour chaque type de fondu, c'est l'appareil le plus pratique parmi tous ceux que nous avons testés. Il bénéficie aussi d'un beau design grâce à son support en bambou. Sachez juste qu'il n'est pas compatible avec le lave-vaisselle. Et voilà qui termine notre sélection des meilleurs appareils à fondu du moment. Pour rappel, vous trouverez le lien de tous les produits qu'on a mentionnés en bas de cette vidéo avec leur meilleur prix. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner.